J'ai ici des cartes un peu particulières parce que ce sont des cartes jaunes des deux côtés. Quatre cartes jaunes qui symboliseront des particules d'huile et quatre cartes bleues qui symboliseront des particules d'eau. Les jaunes, c'est l'huile, les bleus, c'est l'eau. Et on va évidemment mélanger l'huile et l'eau, car vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on mélange de l'huile et de l'eau, eh bien l'huile plus légère remonte à la surface. Alors regardez bien, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau. Très net. On patiente un petit moment, et normalement l'huile remonte comme ceci à la surface, très clairement, très nettement, l'huile et l'eau. Je vous le refais, regardez bien, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau, de l'huile, de l'eau. On patiente. Et l'huile remonte à la surface. Vous me direz, comment peut-on les mélanger pour de vrai? Ah oui, parce qu'on peut pas, parce qu'elles se séparent. En fait, on peut. Voilà comment on peut procéder. On prend l'huile et on lâche l'eau sur l'huile. Et donc l'huile va remonter tranquillement, et dans le processus, à un moment donné, elles vont se croiser et les couleurs seront mélangées. Ça ne dure pas longtemps, il faut juste saisir l'instant, ne clignez pas des yeux. C'est là! Et les couleurs complètement mélangées maintenant. Il s'agit donc du mystère de l'huile et de l'eau. Alors on peut évidemment aller plus loin encore, hein, avec l'huile et l'eau. Alors, comment qu'on peut procéder? Imaginons que je laisse l'eau, cette fois-ci, sur la table. Quatre gouttes d'eau, comme ceci. Et quatre gouttes d'huile en main. Si là, je pose l'huile sur l'eau, rien ne se passe. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que je donne un petit coup, comme ceci. Et regardez bien, ça se mélange. Ça ne va pas durer. Par contre, pour le moment, les jaunes et les bleus sont mélangés. Et d'ailleurs, jaune et bleu qui se mélangent, qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, du vert, hein, du vert. Eh bien, on peut le faire. Alors, c'est plus de la physique, mais ça, c'est réellement de la magie, en fait. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. L'huile et l'eau, recto verso.